Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc la séance de sport, je vous explique un petit peu la séance avant de démarrer. Donc vous allez avoir un échauffement, une partie donc corps de séance avec du cardio, du renfort porté sur l'ensemble du corps. Vous allez ensuite avoir des étirements. La séance va durer à peu près une heure. Vous avez besoin d'un tapis et uniquement d'un tapis comme matériel. Maintenant, n'hésitez pas à avoir une petite bouteille d'eau pas loin si vous voulez vous hydrater pendant la séance. Donc tenue de sport, basket avec les lacets bien faits. Et je crois que j'ai tout dit, donc on va faire l'échauffement. Alors peut-être si juste avant moi, je vais vous montrer le premier mouvement au niveau de l'échauffement parce que c'est un peu de coordination, il faut un peu se concentrer déjà. Donc là vous allez avancer pied gauche, monter genou droit, poser, poser, en arrière. Avancer pied droit, monter genou gauche, derrière, derrière, je rejoins. Ok, donc j'avance pied gauche, je monte genou droit, je repose pied droit derrière et je rejoins le gauche. J'avance pied droit, je monte genou gauche, je pose derrière et je rejoins le droit. J'espère que ça va être bon pour tout le monde. Alors évidemment, on ne le fera pas à ce rythme. C'est pour ça que je voulais montrer tout doux. Allez, 4, 3, 2, 1, jambe gauche. Et on monte genou droit. Et après le gauche. Allez, serrez les abdos, regardez bien vers l'avant. Après, on montera des genoux classiques. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, genou droit, puis gauche. Coup de genou opposé. Pour l'instant, il n'y a pas de saut, pas d'impulsion. S'il y en a qui peuvent, vous le faites. Donc 4, 3, 2, 1, on y va. Tap, 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 tap. Allez, soufflez en montant genou. Un dos bien droit avant de serrer. Encore 8. Allez, quand je vous le dis, on lève les bras hauts et on abaisse. Coude dans les côtes et main vers plafond. On y va, avec moi. Hop. 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 Encore 8. Les bras, 4, 3, 2, 1, ok, bras relâchés, écartez un petit peu les pieds, gardez là donc l'espace plus large que les épaules et transférez le poids du corps à droite et à gauche. Si on ne peut pas faire des sauts, levez genoux sur les côtés, d'accord? Et quand je vous dis talon fessier, dans 8, 7, 6, on partira droit, 5, dans 4, 3, 2, 1, à droite. Donc pour une fois ici, enfin pour une fois, vous restez sans saut, d'accord? S'il y en a qui veulent le faire et peuvent le faire, vous allez me rajouter ça. Sinon, vous restez comme ça, avec les bras, main qui vient aux hanches. Allez, 4, 3, 2, 1, ceux qui peuvent, impulsion. Et ensuite, on fera genoux serrés, talons vers fessiers. Allez, soufflez en sautant ou en allant, talons vers fessiers. 3, 2, 1, genou serré, talon vers fessier. Et quand je vous le dis, on va refaire les bras en haut
pompe, soufflez en élevant vers le haut. Si vous avez mal aux épaules, levez et affectez vos hauteurs épaules. Encore, 8. Pointé à côté de la jambe gauche,
La jambe gauche est souple. Hein. Et à chaque fois, vous allez amener votre pied droit vers l'avant. Vous voyez, mes bras vont après sont en action pour l'équilibre, pour pencher un petit peu votre buste en avant. Plus vous êtes fléchi sur votre jambe d'appui, la gauche, mieux ce sera. Enfin, plus ça travaillera. Ok? Allez, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Devant, 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 devant. Donc là, vous pouvez souffler en amenant votre pied en avant. Donc, je rappelle, pied pointé. Hein. Juste un peu pencher mes droites, dos serré. Encore. Plus vous fléchissez, plus c'est dur. Après, on partira sur des coups de pied alternés. Encore. Alors, avant de partir sur les coups de pied alternés, on va faire l'autre jambe. Hein. Encore. Allez, soyez solide, hein. Tonique, serrez bien les abdos. Il n'est pas compliqué en soi. Après, qu'est-ce que vous sentez que ça chauffe là? Normalement, vous ne devez pas me dire la jambe droite. Ce que vous devez plus sentir, c'est la jambe d'appui. Hein, c'est la jambe gauche, hein. On est d'accord. Et un peu plus peut-être devant de la cuisse. Encore 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Changez de jambe. Gauche, gauche, gauche. Allez, cette fois-ci, on est fléchi du côté droit. La jambe droite ne bouge pas, c'est la jambe d'appui. Jambe gauche vient. Donc le pied à côté du pied droit et s'avance en avant. Et on touche hein, qu'avec la pointe de pied le sol. On ne touche pas avec son talon le sol, hein, avec la jambe gauche. Hein. Allez, abdos serrés, rentrez-moi le ventre. Encore. Si on se sent de fléchir plus, on fléchit. Hein. Donc comme je vous disais après, là, c'est pas des coups de pied, hein, alternés. Donc là, c'est renfort cardio. Hein. On a une bonne partie de la séance. Hein. Ha. Ha, ha. Encore. Allez, tenez bon, ça chauffe, je sais bien. Encore, 8, 7, 6, 5, 4, dans 3 coups de pied, 2, 1, allez, coup de pied, droite, gauche, droite, gauche. Donc après, vous amenez votre pied à la hauteur que vous pouvez, hein, en fonction de vos hanches. Mains et pieds opposés. N'allez pas forcément toucher votre pied avec votre main. C'est l'intention et ça permet peut-être voilà, de vous équilibrer de faire ça. Allez, soufflez sur les coups de pied. Si on ne peut pas le faire avec vos mains, vous le faites ça. Il n'y a pas de souci. Tout le monde peut faire ça. Hein. Encore. Ensuite, on trottinera sur place. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, courez sur place. Donc pareil, mais que sur la pointe des pieds, les talons ne touchent pas le sol. Hein. Et si on ne peut pas courir comme ça, vous marchez. D'accord? Il y a toujours des options plus faciles. Hein. Alors attention, quand je vous le dis, montez de genoux. Pareil, ça sera avec ou sans saut. Encore un peu. Allez, 4, 3, 2, 1. Genou, droite, gauche. Donc par exemple, sans saut. Avec l'un ou l'autre. Alors là, ce qui va changer, c'est vos bras.
Pour l'instant, vous avez coup de genou opposé. Donc, quand je vous le dis, vous ferez ça. Montez genoux et mains qui vont sous les cuisses. Allez, cours avec moi. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Et ça peut être sans saut. Voyez, tout se fait bien. Hop, 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 hop. Alors là, je vais juste vous demander de plus grands gestes. Il va falloir m'amener les mains plus haut. Je les amène au-dessus de la tête. Et ensuite, encore une fois, sous les cuisses. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Alors, tout à l'heure, vous avez fait des petits pas en avant comme ça. Même principe, mais sur le côté. Ok, on en appuie sur la jambe gauche. 4, 3, 2, 1, j'y vais. J'ai 4 et je ramène pied l'un à côté de l'autre. Je suis fléchie. Rien ne bouge, hormis ma jambe et peut-être mes bras si j'ai envie. Buste légèrement penché. Contractez-moi les abdos. Sentez la jambe d'appui, hein. C'est elle que vous allez sentir. Hein. Encore. Plus vous allez loin, plus c'est dur. Plus facile, hein. Je fais des plus petits pas. Du moment que vous soyez sur le temps, sur mon rythme, que vous fassiez des plus petits pas que moi, ça ne me dérange pas. Hein. Donc là, ça doit quand même commencer à bien travailler la jambe gauche. Hein. Ça doit chauffer. Hein. Mais on continue. Encore. Allez, vous ajoutez un peu plus. Vous voyez, mes bras ne sont pas obligés de bouger. Hein. Si je veux les lier, les joindre et pas bouger mes bras, vous pouvez. Ok, on va bientôt changer de jambe. Dans 8, dans 7, 6, 5, dans 4, dans 3, dans 2, dans 1. Ok, changez gauche. Ah, essayez d'être fléchi autant que vous l'étiez à gauche. Donc ça, là, cette fois-ci, on appuie sur la jambe droite et la gauche en mouvement. Mon pied gauche, je touche le sol qu'avec ma pointe de pied. Hein. Allez, soufflez en pointant sur le côté. Encore. Allez, tenez-vous, accrochez-vous. Après, on fera un petit exercice plus cardio. On alternera les deux pieds en chassant le milieu. Si vous ne voyez pas, il n'y a pas de souci, je vous montrerai et vous pourrez me suivre et faire la même chose ensuite. Allez, encore. Poitrine fière, épaules basses. On en fait encore 8. 8, 7, 6, 5, 4. Si ça chauffe, c'est moi, ça chauffe, c'est vous. Hein. Allez, 4, 3, 2. Allez, regardez. Ha, ha. Vous voyez, je chasse comme ceci. Si je ne peux pas faire de saut, je fais l'arrêt ici au milieu. Sinon, les autres, ha, le pied arrive et le pied chassé. Allez, on y va. On peut amener
la main opposée en direction du sol. Pareil, ça, ça va vous aider au niveau de l'équilibre. Je rappelle que ça peut être chassé au milieu, ça peut être sans chasser et en posant au milieu. Il n'y a pas de souci, hein. C'est juste que celui-là est peut-être un peu plus dur. Allez, regardez devant, hein. Ne regardez pas votre main qui se dirige vers le sol. Allez, encore. Respirez fluidement. Hein. Attention à ne pas faire d'apnée. À ne pas faire la locomotive. Respirez trop vite non plus. Il ne faut pas vous hyperventiler. Hein. Allez, quand je vous le dis, on va faire autre chose. Deux temps sur pied droit, deux temps sur pied gauche. Dans 8. Dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ouais, c'est ça, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'ai à peu près toujours le même espace au niveau de mes pieds. Si je ne peux pas, je monte genoux sur les côtés. On l'a fait à l'échauffement hein, tout à l'heure. Allez, après on partira sur des talons fessiers. Donc normalement vous devez transpirer un peu. Hein. C'est même pas un peu, c'est sûr. Après ça c'est suivant chacun. Hein. Il y en a qui transpirent plus que d'autres. C'est plutôt bon signe de bien transpirer. Je dis ça, je dis rien, hein. Ça veut dire que vous avez une mauvaise santé si vous ne transpirez pas. Attention. Allez, on va bientôt faire des talons fessiers. Dans 8, dans 7, dans 6, 5, 4, 3, 2, 1. Talons fessiers, droite. Et gauche. Alors, soit vous le faites sans saut, sans impulsion, comme ceci, ok? Avec les mains qu'on amène vers les hanches quand les talons vont vers les fessiers. S'il y en a qui veulent faire avec impulsion, vous allez pouvoir. Donc, 4, 3, 2, 1, on y va. Donc là, ce qui va changer, c'est vos bras. On va essayer de garder donc soit talon fessier sans impulsion, soit avec. C'est juste que vous allez modifier les bras. Quand je vous dis, on va ouvrir sur les côtés. Là, les mains vont vers les hanches, ou vers le sol. Hein. Allez, 4, 3, 2, 1. On ouvre, on ouvre. Et quand je vous le dis, on fera les bras vers le plafond et on amènera les mains en direction du sol. Si vous ne voyez pas, je vous montrerai. Et vous pourrez suivre après. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, comme ça. Voyez ? J'amène les mains, les coudes, donc vers les talons fessiers. Et ils s'abaissent quand vous amenez talons vers fessiers. Encore. Et ça peut être sans saut. Hein. Encore, 8. Allez, 7, les 7 derniers. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Dernière petite série. Donc on l'a fait devant, on l'a fait côté,
derrière. Donc là, uniquement la jambe droite. On en appuie sur la jambe gauche. Que la droite, je pointe derrière. Je penche bien mon buste. Hein. Et je fléchis au niveau de la jambe gauche. 4, 3, 2, 1, j'y vais. Donc comme je vous disais, un buste penché. Ventre serré. Donc là, ma jambe droite, c'est tout en le pied pointé. Je n'ai pas de talon au sol. Hein. La jambe d'appui fléchie, le plus possible d'ailleurs. Et on est les plus fixes possible, hormis donc la jambe droite qui est en action et peut-être les bras. Si vous les actionnez, ce n'est pas négligeable, hein, ça peut plus vous aider au niveau de l'équilibre pour stabiliser votre posture. Allez, soufflez en ramenant le pied à côté de la jambe gauche. Donc là, vous allez sentir la jambe d'appui. Donc peut-être plus l'arrière. Donc plus les ischios, les fessiers. Encore, pour que ça chauffe. Hein. Et quand je vous le dis, on change de jambe. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on change. Allez, attention à votre posture, regardez bien vers l'avant, ne regardez pas par terre. Pensez toujours à bien vous grandir et bien vous ouvrir. Hein. Donc si vous actionnez les bras, logiquement, hein, vous amenez bras et jambes en avant opposés. Donc là, c'est toujours le coude droit qui s'avance. Quand la jambe gauche s'avance. Allez, respirez bien. Ensuite, on partira sur des coups de pied alternés vers l'arrière. Si vous voulez vous défouler à ce moment-là, hein, ce sera le moment. Hein. Allez, encore un peu. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, coup de pied derrière, comme ça. Donc n'hésitez pas à m'amener vos bras vers l'avant. Bras et jambes du même côté, sauf si vous trouvez que c'est mieux, bras et jambes opposés ici. Moi, ça ne me dérange pas comme ça. Je me mets face à vous. Allez, derrière. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire un saut. Hein. Ça peut être juste comme ça. Hein. Sans saut. Ensuite, on partira sur des ciseaux. Allez, serrez toujours bien le ventre. Hein. Encore 8, 7. Et bien le buste un peu penché. Hein. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, regardez les ciseaux. Après, on peut le faire doucement, comme ça derrière. D'accord ? Après, s'il y en a qui peuvent, vous faites les ciseaux comme ceci. Donc, vous alternez pied droit devant, puis pied gauche.
Ah, c'est le dernier exercice pour la partie cardio. S'il y en a qui se sentent d'accélérer, hein, c'est le moment. Ah, serrez-moi bien les abdos. Hein. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Alors là, vous pouvez vous hydrater si jamais vous avez une bouteille d'eau. On va faire des choses maintenant au sol qui vont être cardio, mais un peu moins. Ça va quand même être plus renfort, je vous rassure. Donc mettez le tapis en place si vous ne l'avez pas déjà fait, devant vous comme ceci. Donc hydratez-vous. Et du coup, alors la suite. Alors déjà ici, on est en arrière de son tapis. On a le menton qu'on amène près de la poitrine. On enroule la colonne cervicale, dorsale puis lombaire. Les jambes sont souples. On va vers le sol, on pose les genoux, on met les mains plus larges que les épaules. On va faire des pompes un petit peu. 4, 3, 2, 1. Donc je fléchis et je me repousse. Je mets de mes mains et de mes genoux. J'inspire, je descends et j'expire, je monte. Donc attention ici à garder les épaules basses, les omoplates fixes. Donc mes épaules sont au-dessus des mains au départ. Et quand vous fléchissez, mes épaules s'avancent. Et ensuite, je reviens au-dessus de mes mains. Vous voyez? Donc si c'est trop dur hein, d'amener le bassin vers le sol, vous pouvez très bien garder les fessiers en l'air et juste faire ça. Hein. C'est pareil, hein, dans la pompe, plus vous allez bas, plus c'est dur, il faut engager ses abdos et forcer pour remonter. Hein. Allez, on en fait encore 3. 3. 2, 1, ok, on ramène ses mains, on garde les pieds crochetés derrière, on se redresse et on va repartir, mais là on va faire un gainage, on enroule, on descend, on amène ses mains vers l'avant, bassin vers le sol, mains sous les épaules, coude un peu fléchi, épaules, hanches, chevilles alignées, tête sortie des épaules. Soit vous restez comme ça, en statique, soit vous amenez genoux vers poitrine. On glisse les genoux au sol, tout doucement. On souffle en amenant genoux vers poitrine. Ok, on pose les genoux, on ramène les mains vers les genoux, on déroule le dos, la colonne, du bas vers le haut. J'inspire un peu en haut et je repars. Là, on va refaire des pompes. On descend, on pose les genoux, mains plus larges que les épaules. Moi, elles sont à l'extérieur du tapis, peut-être vous aussi. Et soit vous emportez le bassin, soit non. Dans tous les cas, je fléchis les clowns. Mon buste se rapproche du sol, plus ou moins, et je me repousse en expirant. Épaules basses, omoplate fixe. Encore 3. Encore 2. La dernière. Ok, ramenez les mains, on déroule le dos, on repart ici en gainage, allez on enroule, on fléchit, on va vers le sol, on se met en planche, les jambes tendues, bassin vers le sol, on aligne les jambes, le buste et le bassin. Donc là à l'inverse, plutôt que ramener genoux vers poitrine, vous allez m'amener genoux vers coude et du coup à l'intérieur. Et on est parti. Sinon, vous êtes statique. Soufflez en amenant genoux vers coude. Donc là, ça engage un peu plus vos obliques, votre taille.
Et ensuite, vous basculez vers l'arrière et déroulez la colonne. On repart en pompe. Allez, dernière fois. Posez les genoux, main plus large que les épaules. On y va. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. Attention, par menton vers poitrine et avoir la nuque longue. Le regard, il est légèrement vers l'avant.
cheville allongée, pied pointé. On a toujours notre bras droit à terre, tendu. Vous n'allez pas avoir l'oreille ici au contact du bras, légèrement décollé. Votre main ici est gauche, double ciel, mais j'aimerais que vous la mettiez sur la cuisse ou légèrement décollée. Si vraiment c'était trop compliqué, vous la gardez devant, d'accord? Et on va décoller les pieds simultanément et on y va et on tient. On travaille l'équilibre, on engage les abdos, ça travaille vos obliques. Respirez naturellement. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâche. Vous passez sur le dos. On va faire des montées de bassin et là on va travailler sur le grand fessier. Donc jambes fléchies, genoux espacés, les hanches, pieds légèrement en avant des genoux. Soyez pas les pieds trop loin. Ok, un peu plus ici. Bras le long du corps. Épaules basses, poitrine fière, ventre serré. Et je vais venir monter et descendre pour l'instant. Donc soufflez en montant. 4, 3, 2, 1, on y va. Ha. Ha. Donc quand je vous le dis, on bloquera en haut. 4, 3, 2, 1, on bloque. Donc là, on engage bien ses fessiers. Hein. On serre son ventre, on aligne genoux, hanches et épaules. Votre corps forme comme un tremplin. Et quand je vous le dis, on fera trois petits vers le haut. Quatrième, on viendra descendre vers le sol et juste effleurer pour repartir ensuite. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, je descends et je repars. 1, 2, 3, en bas, en haut, en bas, en haut. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite on reviendra bloquer en haut. Encore 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier, bloqué en haut. Ensuite, on fera que des petits en haut.
main droite ici au sol. Et on va ouvrir et fermer en fixant le bassin et en soufflant en même temps. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y va. Ha. 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 Donc, petit moyen fessier, hein. Serre les fessiers en rentre le ventre. Et quand je vous le dis, on bloque en haut. Allez, regardez devant, n'ayez pas la tête rentrée. On ne voit pas ses jambes normalement. Allez, 8. Dans 7, on bloque. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Bloqué en haut. Serrez vos fessiers, hein, toujours. Hein. Donc, quand je vous le dis, trois petits en haut et quatrième temps, on descend. Comme on a fait avec la jambe droite et sur les relevés de bassin. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1. 2, 3, et je viens proche de ma jambe gauche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En haut. En bas. En haut. En bas. Et quand je vous dis, on rebloque. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bloqué. Et ensuite, on fera que des petits. Ça doit chauffer, hein. Ça chauffe chez moi. Allez, petit. Les genoux qui montent, hein. Encore 8. On est presque à une heure. Allez, c'est pour étirer.
Donc là, vous êtes allongé sur le dos. Déjà, vous allez mettre une main derrière la nuque et une deuxième, les deux. D'accord? Et vous allez ici monter en direction du plafond. C'est très important. N'allez pas vers l'avant. D'accord? Allez vers le haut. Et on y va. En haut, en bas. En haut, en bas. Allez, soufflez en montant, contractez les abdos en montant, on cherche à bien décoller, tête d'épaule omoplate, quand vous montez, ok, on relâche, genoux vers poitrine, main sur les cuisses, pression, les genoux veulent avancer et les mains les repousser. Donc il y a une résistance de part et d'autre. Les coudes sont proches des côtes. J'ai mes lombaires plaqués au sol. Une respiration plutôt cage thoracique si vous pouvez. J'inspire, j'expire. Sans gonfler mon ventre à l'inspiration. Et un minimum les genoux vers vous. Hein. Ne voyez pas les genoux ici. Hein. Il n'y a pas de mouvement, c'est statique. À droite, puis à gauche. On remet les mains derrière la nuque. Et là, ici, tous les genoux opposés. Et on est parti. On repose à chaque fois son pied au sol. Le genou et le coude sont le même chemin. Il n'y en a pas un qui s'avance plus que l'autre. On souffle en rapprochant genou, coude opposé. Si je veux aller plus vite, hein, je peux. Décollez bien l'épaule, l'omoplate, du coude qui s'avance. Le regard, si vous avancez le coude droit, va à l'opposé. Ok, on remet main en pression. Genoux vers vous d'abord et ensuite vous poussez avec vos mains. Les genoux veulent avancer, les mains m'empêchent. Épaules basses, poitrine fière. Le ventre ne gonfle pas. Il reste creusé. Mais on respire. Hein. Encore. Genou droit vers poitrine, mains donc, viennent sur la jambe pour la ramener encore plus vers soi. Donc, tête sortie des épaules, épaules basses, cage thoracique ouverte, ventre rentré, on a le dos plaqué au niveau du sol. La jambe gauche est allongée à côté. Ok, vous tendez la jambe droite vers le plafond, vous mettez les mains derrière votre cuisse, évitez l'articulation du genou, orteil vers vous et sans décoller le bassin,
À l'aide de mes mains, j'essaie de ramener ma jambe encore plus vers moi. Ok, cette jambe droite, vous fléchissez la jambe gauche, la jambe droite vient par-dessus. Et vous allez ici attraper l'aide de vos mains, l'arrière de votre cuisse gauche. Vous ramenez les deux jambes ensuite vers vous. Et vous devez assez facilement sentir l'étirement du fessier droit. Si vous voulez plus le sentir, vous cassez la cheville droite et vous éloignez le genou droit de vous. C'est pas une obligation, hein. Jambe gauche fléchie vers votre poitrine, allongez la jambe droite à côté. Attention à votre posture, respirez calmement. Et là, vous tendez la jambe gauche vers le plafond, talon vers plafond. Le genou est un peu fléchi, les mains derrière la cuisse. Les orteils vers vous et on essaie de ramener sa jambe le plus possible vers soi. Très bien, vous allez fléchir ici la jambe droite, placer la jambe gauche par-dessus. Donc on décolle la tête, les épaules pour attraper avec ses mains l'arrière de la cuisse droite, puis on repose. Et on ramène donc les jambes vers soi. Donc avec cette posture, vous devez sentir le fessier gauche. Balancement à droite et à gauche. Ça masse ainsi vos lombaires, ça fait pas de mal à votre dos. Donc trouvez l'équilibre avec les mains. Moi, mes paumes sont au sol. Mes mains hauteur bassin. Ok, là j'ai mes deux jambes qui vont du côté droit. Je peux placer ma main sur ma jambe du dessus, donc ma jambe gauche, ma main droite sur ma jambe gauche, et je regarde à l'opposé. Mes deux épaules en sont au contact du sol. Hein. Ok, on lâche, ramenez les deux jambes, l'une vers, enfin l'une et l'autre au milieu, puis allez du côté gauche, vous pouvez mettre donc la main gauche sur la jambe droite et on regarde du côté opposé à droite. Épaules au contact du sol. Ok, on relâche. On ramène les genoux au niveau de la poitrine. On va ici s'en servir d'une pour basculer vers l'avant si on peut. En tous les cas, arriver ici dans une posture assise. Inspirez, levez les bras. Et expirez, penchez-vous en avant. Regardez vos cuisses. On étire le dos, l'arrière des jambes. La jambe droite devant et fléchie. La jambe gauche, vous
votre pied gauche. N'hésitez pas à poser l'avant-bras au sol. On étire le devant de la cuisse dans cette posture. Si jamais ça n'allait pas, vous vous allongez complètement sur le ventre et vous attrapez main gauche, pied gauche, talon proche, fessier. Pour tout le monde, après, c'est la même chose. Donc, serrez bien fessier et ventre. Ok, on inverse les rôles. Vous mettez la jambe devant gauche fléchie, la jambe droite derrière. Et avec la main droite, on attrape pied droit. On resserre les omoplates. Ok, là vous allez ici amener donc votre main gauche un petit peu en avant du genou sur le côté et vous allez mettre votre bassin du côté droit et votre bras droit s'élève pour aller vers la gauche. Au-dessus de la tête, vers l'intérieur. On étire les obliques, les dorsaux. Ok, on change. On amène le bassin de l'autre côté, main droite en avant du genou sur l'extérieur et votre bras gauche qui va vers le haut, vers la droite. On revient. Vous allez amener votre pied droit ou gauche, peu importe, en avant, prendre appui et vous redressez ici. Enroulez un peu vos épaules. Et c'est bon pour cette séance.